Eh bien, salut à tous, c'est Magic51. Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu MotoGP 14 que j'attendais avec impatience et le voici là sur vos écrans et moi, il est sur le mien. Donc, le jeu, je ne le mets pas en ultra. Enfin, j'ai décoché une petite case qui permet de ne pas le mettre en ultra, mais il est déjà très beau parce que sinon, je ne peux pas filmer. Oui. Donc, dans ce jeu, nous avons plusieurs modes comme. Nous avons le mode course rapide. Le mode basique, le mode Grand Prix, le mode championnat, carrière MotoGP, événement réel. Ça, c'est très 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 intéressant. Car événement réel, c'est genre... par exemple, je ne sais pas si vous avez vous avez vu le Grand Prix de Jerez en 2013, quand Marquez a fait un dépassement sur Lorenzo dans le dernier virage où il l'a touché. Et bien ça, vous pourrez le faire à leur place dans MotoGP 14. Défi de champion, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais tester peut-être. Contre la montre, donc. La montre et mode safety car, donc c'est la voiture de sécurité, donc c'est la voiture qui est derrière la grille de départ MotoGP avant qu'il se lance dans la course, la voiture BM là qui est derrière ou qui commence avant quand ils sont en train de bronzer là sous leur parasol, on va dire comme ça quand la petite voiture qui va passer devant, qui va faire un tour du circuit avant de commencer le warm up, enfin j'ai compris. C'est aussi toujours un multijoueur, écran partagé, personnalisation pilote. Donc cette fois-ci, il y a un truc qui est pas mal. Vous pouvez changer vos gants, donc la marque des gants. Genre, mais par contre, vous avez le choix entre SDI et Alpine Star et les bottes aussi. Vous pouvez aussi changer. Bon, ben, nous allons prendre un Grand Prix. Donc nous avons les pilotes MotoGP, Moto 2 et Moto 3 de 2014 bien sûr. Et les pilotes MotoGP de l'année 2013. Et en gratuit, vous avez MotoGP Champion qui est dans MotoGP 13 payant. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu de l'arnaque parce que moi j'ai acheté le champion dans mon 2013. Et je vois qu'il est payant. Et gratuit, je veux dire, sur MotoGP. Mais bon, c'est pas grave. Donc, nous allons prendre MotoGP, pilote officiel. On va se lancer avec une Ducati, pourquoi pas. Non, Valentino Rossi, mon ami. Pas ce circuit car je ne le connais pas du tout. Mugello, ça je le connais parfaitement. Donc c'est parti. Et le pilotage. C'est parti. On va mettre les IA en facile parce que ils sont un peu chauds quand même. Ils ont été bien améliorés, ils ont bien retravaillé le jeu, je trouve. Au niveau graphisme aussi. Vous pouvez voir aussi au niveau lumière, ça flash un peu plus sur les couleurs. Car ils ont rajouté le moteur de. On va dire un moteur de lumière qui est Yepsis 2. Donc pour faire aussi un côté next-gen aussi au jeu. Qui n'a pas été rajouté, qui n'a pas été mis dans MotoGP 13. Je trouve qu'il est. Ça fait un rendu un peu plus beau sur les motos dans MotoGP 14. Donc je pense que si vous l'achetez, vous ne serez pas déçu de ce jeu. Tiens, il est magnifique. Qui demande un i7 pour le tenir en ultra. Bienvenue à tous les fans de je n'ai pas d'i7 personnellement. Mais je compte acheter un processeur qui est pas loin d'un i7. Mais en version AMD, donc c'est un FX. Mais j'ai pas un i7 et je le tiens en ultra quand je ne fais pas de vidéo. Bon, là c'est un peu flouté, je ne sais pas pourquoi. Donc nous allons mettre notre casque. Voilà. Donc. C'est parti pour la course. Et oui les amis, ma manette va un petit peu bugger pendant le jeu, je ne sais pas pourquoi, alors elle a des envies. C'est parti. Mais oui c'est clair. Bon, je vais tirer mon fil. Hop, excusez-moi. Allez Rossi. Oula, Eden il a failli être dans la terre là. J'ai peur de ce virage, j'ai jamais confiance en ce virage, j'ai toujours loupé ce virage, je ne sais pas pourquoi. Donc je l'ai bien négocié. What? Ah bah il a CRT lui. Mais c'est pas grave. Marquez devant. Rossi. Pedrosa l'attaque sur Lorenzo. Bah Rossi, wesh. Oh là là, hein.
je trouve qu'il est magnifique. Vous pouvez voir les reflets, enfin les reflets de lumière sur la moto. C'est magnifique, les textures sont ultra bien faites. C'est magnifique comme jeu. Il y a aussi le mode casque qui a été bien retravaillé. Ah, et par contre, il bug quand je suis en vidéo, je ne sais pas pourquoi. Il est ultra beau, donc moi je vous conseille d'acheter ce jeu, c'est magnifique. En plus, sur PC, il est à 39€. Donc ça va. En plus, il est plus beau. Voilà. Vous pouvez avoir aussi la physique du le physique du personnage qui a été très bien retravaillé. Comment il se positionne et tout. C'est très bien fait. Franchement. Je vous ferai aussi une autre vidéo sur le mode safety car pour vous montrer que ça ressemble vachement à du Gran Turismo. Donc je la sortirai le lendemain. Donc samedi bien sûr. Est-ce que la moto va pouvoir aller à 350? Moi je ne dis non. Ouais, 348. Test de pointe. Ah là là. Voici tout seul pour son Grand Prix national. Alors, en fait, je crois qu'en facile, c'est un peu trop facile pour moi. Sans me vanter, excusez-moi. Hop, virage, hop. Tête dans la bulle, hop. Aérodynamisme, hop. Freine. Enfin, je vais pas faire freiner aussi du frein arrière parce que... Au gros, si c'est pas du genre le mec à freiner du frein arrière. Pousse Marquez. Stoner, mais Stoner fait plus de moto. Peut-être qu'il reviendra un jour. Pour ceux qui ne savent pas où est passé Stoner, il est passé en V8 Supercar. Et il est passé sur une voiture maintenant. Oulalalalala. Rossi qui s'est fait une petite frayeur. Il repart. Attention. Bon, les amis, je vais quand même essayer d'aller à 351, mais bon, c'est pas sûr. Il faut que j'ai une bonne sortie de virage et une belle entrée de virage. Ce qui n'est pas du tout sûr. Avec moi, vous savez... Allez, on pousse. Attends, attendez, ouais, c'est bon. Non. Ah, j'ai un peu loupé, mais bon, j'ai un peu drifté aussi. La pute de Rossi. Vous voyez, la tête dans la bulle a été vachement très bien améliorée. Elle dépasse même pas de la bulle, la tête. 348. Ah. Dernier tour de Rossi. J'aime bien comment il se replie quand il est dans le virage. Il sort du carénage de la moto, c'est ultra stylé. Voilà, hop, la tête elle sort. Ça fait un genre Marquez. Ah, je commence bien à m'habituer à ce jeu là quand même, non? Ah, il sort toujours la jambe. J'aimerais bien qu'ils rajoutent un truc dans MotoGP 15. Je sais pas s'ils vont le faire. C'est quand on cabre. Il sort, il fait comme il avait fait, comme il fait tout le temps presque. Hein. Il se met debout et puis il fait passer sa jambe de l'autre côté de la moto. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il croise ses jambes en fait quand il est debout. Enfin, il croise sa jambe avec le moto. Ce serait bien qu'il fasse des petites figures comme ça sur le 15. Peut-être sur le 34, hein, qui sait, s'ils font un... mise à jour sympathique. Ouais, ils peuvent pas tout faire en une seule édition, hein. Petit à petit. Déjà bien déjà qu'ils ont rajouté le changement de bottes et changement de gants sur le pilote personnalisé, parce que garder que du SDI et du Alpine Star, on peut pas changer. Ouais, un petit roue arrière pour la fin. Ah, ils sont plus durs à faire les roues arrière. Moins trop, tant pis, hein. Et voilà, Rossi gagnant. Oula, oula, là, 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 comment ça bug à la fin. La direction de la course. Et oui, Valentino Rossi, premier. La cérémonie du podium, mais
Est-ce que je suis passé niveau 1? Bah oui, hein. Niveau 2, je suis passé, je veux dire, niveau 2. Oui. Ah, j'ai débloqué le team de... je crois que c'est Danny Kent ou Nicolas Adjo, je sais plus qui. Au-delà du prestige de remporter la victoire sur ce circuit. Voilà, vous voyez comment il est très très bien fait. Précieux pour le championnat du monde. Le podium est largement mieux fait. Il est magnifique ce jeu. J'espère que dans la prochaine édition, ils feront un podium comme sur SBK. Et donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur MotoGP 14 vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, me dire sur quoi vous voulez que je... sur quel mode je voulais que je vous fasse une petite vidéo, je vous en ferai avec plaisir. Hein. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur MotoGP 14. À plus.